Bienvenue à une nouvelle édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense. Je suis la capitaine Stéphanie Duval. Et je suis Patricia Stumka. Voici ce qu'il fait les manchettes à la Défense. L'exercice Maple Resolve 2018 s'est déroulé récemment au Centre canadien d'entraînement aux manœuvres à Wainwright, en Alberta, du 13 au 24 mai. Le lieutenant-colonel Mark Leach, chef d'état-major du Centre canadien d'entraînement aux manœuvres, se joint à nous pour nous renseigner davantage sur l'exercice. Bonjour, lieutenant-colonel. Pouvez-vous nous expliquer l'objet de l'exercice Maple Resolve? Thank you for your question. Yes, I can. The purpose of Maple Resolve is to train battlegroup-sized organizations to certify them at their level of readiness such that they then are become certified from the Canadian Army and the government can then deploy them to anywhere in the world should they desire. Quel rôle précis avez-vous joué dans le cadre de l'exercice? As Chief of Staff here at the Canadian Maneuver Training Center, my role is to coordinate and synchronize the staff on behalf of the commander. In this particular case, for the specific execution, planning and design of Maple Resolve. Qui étaient les participants à l'exercice? This year, the largest contingent, of course, is our own Canadian Armed Forces, which is 5 Brigade based out of Cartier, Quebec, followed by approximately 1,500 soldiers from the United States Army, Reserve and National Guard, a smaller contingent from the UK, and even a smaller contingent from Australia. Quel type d'activités les militaires ont-ils accompli et comment l'armée canadienne en profitera-t-elle? The soldiers are going to participate in a 14-day force-on-force exercise simulated with our weapons effects simulator. They'll start the exercise doing stability operations. They'll then transition to more defensive scenarios, followed by the third phase of the exercise, which is offensive operations. Merci de vous être entretenu avec nous, lieutenant-colonel Leach. Thank you very much. L'Aviation royale canadienne et des ingénieurs en aérospatial du Conseil national de recherche du Canada mènent des essais relatifs aux nacelles Sniper du CF-18 dans un tunnel aérodynamique. D'après les leçons tirées d'opérations récentes, les pilotes de l'Aviation royale canadienne auraient une meilleure vue des cibles possibles si la nacelle Sniper était montée au centre de l'aéronef, soit sur la partie inférieure du fuselage. Des chercheurs mettent cette configuration à l'essai dans le but de mesurer les charges et les vibrations sur l'appareil au moment du décollage et de l'atterrissage et lors d'opérations à faible vitesse. Lorsque les essais seront terminés, les données seront analysées et un essai en vol sera réalisé à Cold Lake en Alberta. Si celui-ci connaît du succès, on déplacera les nacelles des 75 aéronefs de la flotte. En plus d'être des dispositifs de ciblage, les nacelles peuvent aussi faciliter les opérations de recherche et sautage sur les terrains accidentés et dans les environnements difficiles. Avant de conclure l'émission, nous vous rappelons que le 29 mai est la Journée internationale des casques bleus des Nations unies. Il s'agit d'une occasion pour le Canada et les nations partenaires d'honorer le travail altruiste accompli par les casques bleus dans le monde entier. Nous nous remémorons celles et ceux qui ont perdu la vie au nom de la paix dans des régions parmi les plus instables du monde. C'est tout pour aujourd'hui. Merci beaucoup d'avoir été à l'écoute. Soyez des nôtres lors de la prochaine édition des Nouvelles de l'équipe de la Défense.